Dimanche, chers frères et sœurs, très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux de pouvoir me mettre sous la parole de Dieu pour pouvoir vous l'annoncer le plus fidèlement, je crois, de ma pensée. Et je vous avoue avoir un petit peu galéré cette semaine. Euh, le texte de Romains 7, disent les Biblis, est le texte qui a été le plus critiqué. Analyser, interpréter, le texte sur lequel il y a le plus de monographes, de livres et d'articles, et donc le texte sur lequel il y a quasiment le plus d'interprétations dans tout le Nouveau Testament. Donc je, là, je me suis rappelé, pourquoi pasteur Gaétan m'a demandé à moi de prêcher ça? De deux choses l'une, soit il me fait vraiment confiance, soit ils sont arrivés autour de la table, puis il n'y a juste personne qui voulait prendre ce texte-là. Je vais lui offrir l'interprétation charitable, il avait confiance en moi. Jusqu'ici, dans notre thématique sola fide, on pourrait résumer en trois grands points ce que l'apôtre Paul essaie de communiquer à cette jeune église de Rome et, par extension, à tous les chrétiens qui vont lire sa lettre dans les siècles à venir. D'abord, l'apôtre Paul s'affaire à démontrer en trois chapitres nous sommes tous dans un méga bateau, l'humanité, qui est en train de couler. Les non-juifs, les juifs, les gens de toute nation, de tout âge, de tout horizon, sont marqués par une maladie. Spirituel et mortel du péché. Deuxième point qui démontre ensuite, il y a un seul moyen d'être sauvé, d'être rendu juste, pardonné devant celui devant lequel celui devant on a enfreint ses règles, enfreint ses commandements. Et vous le connaissez, ce moyen-là. Va à l'Église, lis la Bible, prie, prie fort, chaque jour, une heure. Deviens une personne un peu plus religieuse que la moyenne. Écoute seulement des podcasts et des films chrétiens. Sois quelqu'un d'un petit peu plus moral que les autres chrétiens autour de toi. Non, mieux que ça, serre une fois par semaine à ton église. Non, mieux que ça, deviens un missionnaire. Non, mieux que ça, deviens un pasteur. Deviens un pasteur, Seigneur. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel on peut être pardonné, et c'est le suivant. Dieu déclare les hommes et les femmes juste par leur confiance en Jésus-Christ et ça ça s'applique à tous ceux qui croient. Un moyen simple mais efficace et l'apôtre Paul donne deux exemples dans l'Ancien Testament pour démontrer que c'est pas une nouveauté, Dieu a toujours sauvé par la foi même dans l'ancien régime, il parle de David, il parle d'Abraham et il continue Romains 5 et Romains 6 pour venir un petit peu euh, faire descendre cette vérité là. Qu'est-ce que ça change chez l'être humain d'être sauvé Eh bien le chrétien est maintenant habité du Saint-Esprit, il n'est plus esclave du péché, il est esclave de Christ, il met toutes les armes et tout son effort nécessaire pour marcher en nouveauté de vie en mettant son être entier au service de Dieu. Il, est, plus, il est libéré du régime de la loi, mais il est maintenant dans le principe de la foi. Il appartient à Christ de tout son être, mort au péché et vivant pour Dieu. Mais maintenant, alors qu'on tourne au chapitre 7, l'apôtre Paul s'apprête ça ça à répondre à quelques questions pièges. Hein? Vous connaissez ça, des, des trick questions? Récemment, ma jeune fille de, de 3 ans vient me voir et me demande Papa, est-ce que Jésus il porte des boxers? OK, c'est sûr que tu veux me piéger, là, Milan, parce que tu poses la question au présent. Donc, là, si je te réponds, non, Jésus, il ne porte pas de boxeur. Je savais très bien qu'elle allait me répondre, mais ben là, je pensais que c'était le fils de Dieu devenu homme éternellement. Il reste un homme de la même manière a gardé ses cicatrices sur la croix, il garde ses boxeurs. Si je réponds non, mais si je réponds oui, je savais qu'elle allait me répondre, mais papa, Dieu, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas besoin d'avoir des boxeurs. Et là, je t'ai tiraillé. Chérie, tu le demanderas à ton éducatrice dimanche prochain, qu'est-ce qu'elle en pense? Vous connaissez ça, ces trick questions, tu sais que tu es piégé d'un côté et de l'autre. Eh bien, Paul s'apprête à répondre à des questions un peu plus sérieuses que celles-ci ce matin. Si la loi de Dieu a mis en valeur le péché humain, est-ce que le péché et la loi sont complices à un certain point? Est-ce que la loi de Dieu est vraiment bonne? Dans le concret, là, comment le péché opère-t-il? D'où tire-t-il sa force, son énergie pour pouvoir agir? Pourquoi l'humain par nature finit par faire le mal, même s'il était parti avec des bonnes intentions? Pourquoi un chrétien continue-t-il de pécher, même une fois sauvé par Jésus, même habité par l'Esprit de Dieu? Pourquoi je prends le dernier bang dans la boîte alors que j'ai plus faim? Pourquoi il faut que j'écrive mon petit texto au volant alors que je le sais que ce n'est pas correct? Il y a la voix de ma conscience qui me reproche, la voix de ma femme, souvent des fois la même voix. Là. Je sais que c'est pas correct, mais je l'envoie mon texto pareil. Pourquoi je fais ça Eh bien, ce sont les questions qui vont nous habiter ce matin. L'apôtre Paul, dans sa grâce comme un, un, un bon apôtre, répond à des questions qui sont un petit peu euh, qui, qui, qui émergent des premiers chapitres. C'est un peu les, les théologiens disent que le chapitre 7, c'est un peu comme quasiment une parenthèse. La première question qui nous est posée, c'est est-ce que la loi est mauvaise Et l'apôtre Paul répond de façon catégorique bien sûr que non. Parce que juste ici, là, le lecteur aurait le droit de se poser la question, « écoute-moi, est-ce que la, la loi est si mal que ça? » On va lire ensemble le, le, chapitre, le, le verset 7 du chapitre 7. On lit ensemble. « Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? » Et pour certaines personnes qui peuvent nous visiter ce matin, la loi n'est pas la loi gouvernementale ici, mais bien la loi de Dieu, ce que Dieu exige de l'être humain. L'apôtre Paul répond, « Loin de là. » Seulement, s'il n'y avait pas eu de loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais même pas su ce qu'est la convoitise si la loi de Dieu n'avait pas dit Tu ne convoiteras pas. Jusqu'ici, l'apôtre Paul a fortement mis en contraste le fonctionnement de la loi dans les chapitres précédents et celui de la foi pour dire que ce n'est plus le même régime. Et le chrétien n'est plus sous la loi, il agit par la confiance en Jésus. Et ça ne fait pas de lui pour autant un sans-loi on l'a vu avec Pasteur Guettin. Mais là, il y a certainement des juifs dans son audience qui se demandent la question euh, je veux dire, tu as dit qu'on n'était plus sous le régime de la loi, qu'on est mort à la loi, que la loi a permis au péché de proliférer, que nos mauvais désirs ont éclaté à cause de la loi, que le régime de la loi a seulement produit la mort. Hein? On pouvait lire au, au, au verset 5 du chapitre 7. Le lecteur attentif se demande écoute, non, la loi, là, c'est-tu si bon que ça Est-ce que Dieu a comme raté sa cible avec la loi, puis là, OK, on va y aller avec une autre, une autre manière de procéder L'apôtre Paul répond catégoriquement ⁇ Bien sûr que non ⁇ Et il donne deux raisons pour ça. La première est la suivante. La, la loi a une fonction ultra positive. Elle révèle notre péché. Ce que Dieu a révélé à Moïse sur le mont Sinaï, les dix commandements et par extension tous les standards de Dieu qu'on trouve dans l'Écriture, l'apôtre Paul est catégorique. Ils sont bons, spirituels, justes et saints. Il ne faut pas faire un pas en arrière. Il n'est pas en train de dire qu'il faut revenir absolument à l'ancien régime, appliquer tous les, les 600- quelques commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Non, il sait très bien, en Christ, les choses sont devenues nouvelles. On n'est plus contraint à l'obéissance de la loi, mais à l'obéissance de la foi. Euh, nous suivons Christ et puisqu'il a accompli les standards de la loi, à notre place, nous marchons à sa suite par la foi. Mais il veut faire un point ensuite. Ne mélangeons pas les cartes. La loi, elle est bonne. Elle vient de Dieu. Le péché, lui, vient de l'homme. La loi révèle... En l'être humain, elle met en lumière, elle vient highlighter l'horrible péché de l'homme. Le commandement de Dieu est éclaircissant, il est révélateur, il révèle des choses en nous que même nous, on ne, pour, on ne pourrait ni ne voudrait voir en nous. Il donne un exemple, si Dieu n'avait jamais dit de ne pas convoiter, j'aurais jamais su ce qu'est la convoitise. Mais on peut étendre plus loin. Si Dieu n'avait jamais dit de ne pas aller voir d'autres dieux parce qu'il est le seul et unique Dieu, on n'aurait peut-être même jamais connu le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'aimer de tout notre être quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu lui-même. Si Dieu n'avait jamais dit de mentir, bien, on n'aurait jamais été coupable de mensonge. On n'aurait peut-être même jamais eu la connaissance du mensonge lui-même. Vous voyez, si mes enfants là, à la maison ne connaissent pas la règle, je ne peux pas les rendre imputables de désobéir la règle. Si je leur dis pas que garocher la nourriture par terre, c'est pas correct, mais eux ils vont considérer que c'est un jeu <laughs> et ils le font souvent. <laughs> ils considèrent ça comme un jeu. Juste avant que je leur répète, ce n'est pas correct. La loi à la maison, c'est on, on laisse l'assiette dans la nourriture. Et, et du moment que j'établis, oh, <laughs> Vous voyez comment je les répète ces consignes là, là? <laughs> on laisse la nourriture dans l'assiette. Et du moment qu'il y a une règle un standard qui leur est imposé, eh bien là, ils sont imputables, ils sont en devoir d'écouter. Et si, lorsqu'ils enfreignent la règle, eh bien, ils peuvent, ils peuvent voir qu'à l'intérieur d'eux, il y a ce désir-là de l'enfreindre. La loi fait surgir l'occasion de l'enfreindre et ainsi la connaissance de notre péché. Euh, C'est un peu une, une des raisons pourquoi je pense au Québec qu'on a beaucoup de difficultés avec le concept du péché. Les gens non-croyants ont de la misère avec l'idée même du péché. Parce que du moment là, que tu enlèves... Un, un standard divin, une loi transcendante, une loi qui devrait peser sur la conscience de tout être humain, ben, le concept du péché perd de sa force un peu. Qui a dit que je devais faire ça? Qui a dit que je ne pourrais pas regarder ça, que je ne pourrais pas parler comme ça, je ne pourrais pas être comme ça? Ton Dieu à toi? Donc, du moment que tu élimines Dieu et donc nécessairement sa loi, le concept du péché perd de sa valeur. Mais, ce qui est paradoxal, Étant donné que nous sommes créés des êtres humains conscients de Dieu et avec de, de profonds sentiments à l'intérieur de nous, ce qui se passe, c'est que les gens, même s'ils veulent rien savoir de la loi de Dieu, ils vont s'en ériger une autre. Ce que j'appelle les grands péchés laïcs du moment. Hein C'est pas grave si tu regardes la porno, c'est pas grave si tu te dans tes impôts, mais de grâce, ne prononce pas tel mot en public. Le mot en S, le mot en N, le mot en P, le mot... de... non, tu peux te parler c'est comme ça qu'on considère les, les péchés de notre société. Hein? À certaines époques, à chaque génération, il va y avoir les grands interdits qui vont être listés. La réalité, là, c'est qu'on a besoin de cette loi. On est né avec ce sentiment-là qui est plus grand que nous. Et en fait, la Bible est claire. Dieu nous a placés sur un terrain de jeu et il a mis les règles du jeu en partant. Il demande à l'être humain rien de moins que sa personne entière. Il dit Tu veux être heureux Fais-moi confiance. L'amour se trouve dans la dépendance à ma personne. Il exige que l'homme lui rende l'honneur, la reconnaissance, que notre vie soit à son service, que notre corps serve à sa gloire, que l'on aime de tout notre être, de toute notre âme, de toutes nos pensées notre Seigneur et qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Et ce sont, en passant, des, des paroles de vie. L'apôtre Paul éclaire là-dessus le commandement qui devait produire la vie. Souvent, on pense aux dix commandements, aux, aux lois comme étant, étant des, des commandements qui viennent s'imposer, des commandements qui sont ah, juste comme fais ci, fais ça. Oui, il y a un, un commandement reste un commandement. Mais la meilleure traduction des dix commandements, les dix paroles de vie. Tout ce que Dieu exige, décrète, demande, révèle, vient vivifier l'être humain. Donc la loi met en lumière notre péché, mais ça va plus loin que ça. L'apôtre Paul développe une deuxième fonction de la loi. Verset 8, on lit ensemble. Mais alors le péché prenant appui hein, sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, et m'a trompé, et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort Loin de là. Pas les catégories encore. Ben non, c'est pas ça qui t'a amené à la mort. C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et de la sorte manifester sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. La loi révèle le péché humain, mais l'apôtre Paul va une étape plus loin. La loi de Dieu attise le péché humain. Elle le, re, elle le rend encore plus vif. À un certain point, le verbe est peut-être juste un petit peu fort, mais la loi de Dieu excite quasiment le péché humain. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais elle révèle le désir détraqué de l'être humain de vouloir la transgresser, la changer, la twister, la dépasser. On a beau connaître ce qui est bon, ce qui est droit, il y a juste ce désir dans la nature humaine qui monte par lui-même de vouloir enfreindre la loi. Le problème n'est pas un problème de connaissance, de contexte, et je dirais même, même pas un problème de comportement, mais un problème de cœur. Vous savez, moi je suis toujours surpris quand il y a des gens autour de moi, soit des grands-parents ou des gens qui viennent à la maison, puis sont comme surpris que mes enfants obéissent pas aux règles. C'est quoi, ils n'ont pas compris C'était clair là, c'était pas correct ou tu sais comme, mais ça, j'ai dit, non, tu comprends pas. Plus tu donnes des règles aux enfants, plus ils ont le goût des enfreintes. Ça marche comme ça là. Parentalité 101, je vous donne ce truc-là. Plus tu donnes une loi, plus tu imposes un standard, plus l'enfant a le goût de défoncer. C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'ils sont programmés de cette façon-là. Plus tu donnes des règles, plus ils ont envie des de enfreindre Et même à un certain point, ma jeune fille de 3 ans, alors que ma femme lui donne une consigne, elle s'est retournée vers elle et lui a dit, « Maman, pourquoi tu me le dis? Maintenant que tu me le dis, j'ai le goût de le faire. » c'est vrai, mais même nous, hein, on est un peu comme ça. Là. Si j'arrive ce matin et je vous dis, hey, j'ai une bonne blague à vous raconter, mais je ne suis pas sûr que je devrais parce qu'il n'est pas full euh, clean, clean. Là, vous avez envie que je la raconte? L'interdit hein? lui-même fait surgir en nous le péché et, et, et la soif de vouloir briser cet interdit-là. Comment réagit la nature pécheresse de l'homme ou de la femme quand la loi sainte et bonne de Dieu lui interdit quelque chose? soudainement, un désir demeuré latent jusqu'à ici se transforme en passion dévorante. Je le veux, je vais le faire, cette jouissance innée du péché. Et, et, et l'excessive perversité du péché va encore plus loin. Hein? On perçoit dans notre société ce désir-là chez les gens même de, de trouver les interdits les plus horribles, les plus macabres, les plus dégueux, qu'on n'aurait peut-être même pas pu penser que ça existe, pour pouvoir ensuite les commettre. La réalité, c'est que la loi ne fait que rendre encore plus vif le feu du péché dans la nature humaine. Tu as beau donner des règles, tu as beau donner des consignes, et, et dans la société, c'est quoi? La, la, le, le gros miracle, c'est en on a beau éduquer, mais ce n'est encore que de la connaissance. La loi ne s'ouvre pas. Et Dieu merci, on est dans une église qui ne prêche pas la loi. Telle tradition, telle règle, telle manière de faire, telle manière de chanter, telle manière de dire, telle manière de parler, de te comporter. Non, ces choses-là ne sauvent pas. Jésus seul peut nous sauver. Je ne sais pas si vous commencez à voir avec moi, mais c'est un peu le but de ma prédication, développer en vous une sainte haine contre le péché, hein? ce sale profiteur. Le péché, euh, dit l'apôtre Paul, c'est de la vermine. Le péché est un sacré parasite. C'est comme ça que le fonctionnement, ici que l'apôtre Paul le décrit, le péché est capable de prendre ce qu'il y a de meilleur au monde, la parole de Dieu révélée à l'être humain, pour susciter en nous le désir de ne pas nous y conformer. Le péché s'appuie sur toutes les occasions qu'il peut faire pour susciter en nous l'opposition à Dieu et aux autres. C'est comme s'il si se donne un, un, un petit kick, un petit aide, un petit, faut trouver le mot en français, là, un appui sur le commandement. Il, il part même du commandement lui-même, hein? parce que le péché n'a aucune force en lui-même. Il n'est que champignon, il n'est que parasite. Il vient tirer le jus qu'il peut du commandement pour faire susciter en nous le désir de ne pas nous y plier. Littéralement, il se nourrit du commandement. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits insectes-là, insectes ça s'appelle une psylle. ça ressemble à une petite cigale, c'est vert. Et cet insecte-là n'a qu'une manière de survivre dans notre monde et a fait de très grands ravages sur plusieurs endroits à, à, sur la planète parce qu'il va se coller sur une plante et la seule chose qu'il fait, c'est siphonner la sève de la plante. Une fois que la plante est morte, il trouve une autre plante. Cet insecte-là, on appelle ça un insecte ravageur, n'a fait que, que détruire partout ce qui est passé. Eh bien, le péché est un insecte ravageur. Alors que l'être humain avait été créé pour que les commandements de Dieu, la sève de Dieu, coulent en nous et produisent un, un, bon, un bon sirop d'érable, la, la, la psylle du péché, le péché vient se coller en nous et vient siphonner. Le péché n'est que pourriture, il est faible. Le péché, a, même, même, je vais loin, mais au, au, au sens philosophique, le péché n'a pas d'existence en lui-même. Il ne fait que s'ancrer sur ce que notre Dieu, bon, créateur et généreux, a fait. Le péché ne fait que déformer. Dieu nous a créé à son image. L'être humain aime mieux être sa propre image. Dieu nous a créés pour être son miroir. L'être humain préfère se regarder dans le miroir. Dieu nous a créé individus magnifiques. L'être humain préfère l'individualisme. Pas besoin des autres. Pas besoin de Dieu. Dieu a créé la raison, la logique, la capacité merveilleuse de découvrir. et eh bien, l'être humain utilise ses mêmes facultés pour discréditer son créateur. Dieu nous a donné la nourriture. Le péché en fait de la gloutonnerie. Littéralement, ce qui est supposé nous faire vivre peut parfois nous faire mourir. Dieu a créé le travail, la création, de la culture, la domination de la terre. Mais le péché prend appui, prend un, un, un edge sur ce commandement-là qui est bon et fructueux en soi pour faire quoi Pour le déformer en guerre de pouvoir, lutte d'argent, pauvreté, patriotisme démesuré, totalitarisme, abus de l'être humain. Dieu a ordonné la merveilleuse sexualité dans le cadre d'un mariage entre un homme et une femme. C'est ça, Genèse 1, 2, Adam et Ève, tous nous dans un jardin qui expérimente la beauté de s'aimer. Mais le péché fait quoi Il prend appui sur un des plus beaux dons que Dieu nous donne pour créer un, un buffet des continents de toutes les passions de l'être humain, que je ne peux même pas nommer ici, tellement que c'est n'est pas digne d'être mentionné. Mais à la base, c'est magnifique. C'est magnifique ce que Dieu a créé. Mais le péché vient désordonner ce que Dieu a créé d'ordonner. Dieu lui a ordonné à l'être humain de l'aimer lui sans réserve. Mais le péché vient prendre appui sur ce cœur adorateur que nous avons à l'intérieur de nous pour le réorienter vers d'autres choses qui ne sont pas des dieux, des gens, des principes, des idéologies ou notre propre personne, alors qu'on n'a pas été créé pour, pour s'aimer d'abord et avant tout. Le péché, laissez-moi vous le dire, c'est un arnaqueur professionnel. Et l'apôtre Paul le personnifie, des fois. Il n'est pas en train de nous déculpabiliser, mais des fois, c'est bien d'aller comprendre comment le, le péché fonctionne. Il a toujours le mécanisme identique depuis le début de l'humanité. Il se sert d'une force dominatrice sur l'être humain, se, le séduit, se colle à lui et le fait mourir pour qu'il puisse vivre. La bonne nouvelle, c'est que le parasite du péché n'a pas trouvé d'ancrage chez Jésus. Il n'a pas été capable d'aller soutirer la force du péché. Il n'y avait aucun péché en la personne de Jésus. Jésus n'a pas été corrompu, Jésus n'a pas été pourri par le péché. Jésus a résisté jusqu'à la dernière minute au péché, refusé les avances, les tentations du diable. Jésus a lutté parfaitement, mais vous connaissez la fin de l'histoire, il a été conduit à la mort pour que nous, qui s'en allions vers la mort, puissions obtenir sa vie. À lui. Vous êtes toujours là? Deuxième partie de notre passage, verset, euh, verset 14 à verset 20. Jusqu'ici, la Paul est resté un peu plus théorique, mais vous allez voir, il tombe dans un aspect un peu plus personnel, une dimension un peu plus concrète. Verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. L'apôtre Paul parle ici de sa nature pécheresse. C'est comme s'il disait, la loi est spirituelle, mais le problème, c'est que moi, je suis charnel. Il y a des penchants charnels que je ne peux juste pas effacer dans cette vie. Verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, par contre, par là, je reconnais que la loi est bonne. En réalité, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Car je sais bien que le péché je sais bien que le bien, excusez-moi, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Jusqu'ici, il faut comprendre la peau de Paul est encore dans le fonctionnement de la vieille nature de la nature pécheresse de l'homme et la femme livrés à eux-mêmes. Vouloir le bien est à m'apporter, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, ce principe-là. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, par contre, je prends plaisir à la loi de Dieu, aux choses de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi, un autre principe agit dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. J'ai longtemps cité ce verset-là et, et même entendu ce verset-là comme une genre de semi-excuse au péché qu'on vient de commettre. Hein. Ah, tu sais, même si l'apôtre Paul avait de la misère, c'est normal que, que moi aussi j'ai de la misère dans cette vie. Hein. Si le grand apôtre Paul luttait contre ses passions, ben, c'est normal que moi, petit chrétien, j'ai un petit peu de difficulté aussi. Là. Ah, tu sais, je ne fais pas toujours le bien que j'aimerais, puis des fois je finis par faire le mal, mais tu sais, c'est la vie. Hein. C'est biblique même. Je peux-tu vous proposer ici que l'apôtre Paul ne donne pas une excuse au péché humain? Il n'excuse pas le péché chrétien non plus, mais il démontre l'absolue absurdité du péché humain qui se loge dans le cœur humain, de l'humanité qui a hérité du péché originel. Rappelez-vous, le contexte encore est, est, est celui de la loi. Dieu donne une bonne loi, et mais même ce que Dieu donne de meilleur à l'homme, l'être humain en Adam le gaspille. Il n'excuse personne, ici l'apôtre Paul, il explique le mécanisme incompréhensible de la nature pécheresse. Par nature, les humains sont incohérents, sont moralement bipolaires, moralement incompréhensibles. Le péché demeure un mystère opaque. Alors que dans la parole de Dieu, dans l'histoire, nous voyons des mystères lumineux comme celui de la Trinité qui nous fait voir et lire le monde comme rien au monde nous fait, nous fait voir les choses. Alors que le mystère de l'incarnation qui nous fait comprendre tellement de mécanismes dans ce monde nous ouvre les yeux. Ce sont des mystères de sens intouchables mais révélateurs. Le mystère du péché est un mystère ténébreux, dégueu, incompréhensible à l'être humain. C'est un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. La, le juif comme le non-juif. Le juif sait que la loi est bonne, mais il finit par l'enfreindre. Mais le non-juif, qui pour lui aussi a une loi à vous, vous rappeler, Romains 3, le juif est une loi pour lui-même. Il a cette connaissance un petit peu ancrée en lui, dans sa conscience de la loi de Dieu. Eh bien, le non-juif aussi est coincé dans cette incohérence. Même si par nature, il a cette envie de faire le bien, cette envie d'accomplir le beau, de faire ce qui est juste, ce qui est droit. Finit par commettre le lait, l'illégal, l'immoral et l'injuste. Notre conscience naturelle est comme divisée en des idéaux moraux, peut-être l'héritage du jardin d'Éden, et nos actions pécheresses, l'héritage du jardin d'Éden aussi. Il y a une partie de nous qui veut tendre le, par, vers le bien, mais on finit juste par récolter, récolter le mal. C'est sûr que vous connaissez cette amère expérience. Je ne suis pas le seul à, à vous dire à un certain moment donné Comment j'ai fait pour me rendre là, là? Comment j'ai fait? Comment ces paroles-là ont pu sortir de ma bouche envers ma femme, envers mon mari? Comment j'ai pu toucher à ça? Comment j'ai pu regarder ça? Comment j'ai pu écouter ça? Comment j'ai pu vouloir contrôler toute la situation comme ça? Comment j'ai pu blesser? Pourquoi j'ai encore tombé dans ce piège-là de la colère? Mais me semble que pas ça que je voulais au début. Mais me semble je m'alignais pas vers ça. Mais me semble je m'étais dit que je ne le referais jamais. Pourquoi je suis encore rancunière? Encore piégé dans ce péché-là de la rancune? pourquoi 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 mystère incompréhensible cette semaine j'écoutais deux commentateurs luc lavoie et paul Arcan discuter du, du décès de brian mulroney qui était un, un ancien premier ministre du canada et il, il vantait cet homme comme un homme politique, mais surtout comme un homme personnel généreux, un hein, genre de, de bon vivant. Euh, Quelqu'un qui, qui avait, oui, euh, beaucoup, de, qui eu beaucoup de succès en politique, mais qui, aussi, vraiment, du côté personnel, a vraiment été un chic type. Tout ce qu'il a fait, que les gens n'ont pas vu en dehors des caméras. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à un certain moment donné, dans l'entrevue, euh, Paul Arcand et Luc Lavoie la s'envoient la balle, puis ils se demandent Mais on a de la misère à expliquer le scandale Airbus. Pourquoi il a accepté ces trois, quatre sommes d'argent-là pour que la compagnie ait le contrat? Puis c'est drôle parce qu'il y avait vraiment ce, ce même pourquoi-là. Pourquoi il a fait ça? T'sais, il me semble que tout allait bien mariage, famille, politique, tout ça. Pourquoi il est allé se salir les mains là-dedans? Mais en tant que chrétien, on n'est pas tant surpris d'entendre ça. Nous savons que l'être humain sans Dieu n'est qu'une masse de contradictions un paradoxe inexplicable. Notre nature pécheresse a beau avoir des intentions louables, des intentions nobles, mais le bien n'est pas à notre portée, dit l'apôtre Paul. Dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul est pas en train d'excuser personne ici. Il dit juste, j'ai découvert un, un principe qui met systématiquement en échec toutes les bonnes intentions de l'être humain. L'être humain sans Dieu ressemble à quelqu'un qui est en train de se noyer au beau milieu de l'océan puis qui essaie de se construire une échelle avec l'eau. Un, un capitaine de bateau qui veut ancrer son bateau, mais qui lance son ancre dans son bateau. Tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, ça marchera pas. Et faut comprendre bien le passage. Quand l'apôtre Paul dit c'est le péché qui habite en moi, il n'est pas en train de dire Ah, j'ai péché, c'est la faute du péché. Il est en train de dire chez l'être humain et même dans le chrétien régénéré, il y a un intrus qui habite au sous-sol. Il y a un intrus qui vient squatter le fauteuil de mon sous-sol, puis des fois il monte en haut, puis il pense que le d'air est à lui, puis le salon est à lui, puis si j'y donnais la possession de ma maison, il prendrait tout ce qu'il voudrait, puis il mettrait ma maison en feu. Il est en train de parler de cette vieille nature qui se prétend propriétaire de la maison du chrétien, mais, mais qui en réalité n'a aucun mandat pour être dans la maison. Cette, cette nature, malheureusement, a été corrompue. Elle est héritée, elle hérite d'Adam et elle est toujours malheureusement présente dans le croyant. Mais l'affaire, c'est que rien de bon ne réside dans cette nature-là. Le principe du péché sera encore actif par moment dans le chrétien et à l'œuvre dans nos membres. Et quand l'apôtre Paul dit à l'œuvre dans nos membres, il n'est pas en train de dire que le corps est le problème, qu'il faut se dépouiller de notre corps, comme certaines philosophies ont voulu le dire dans le passé, et que c'est juste le corps. Non, le corps reste un don de Dieu, mais le corps est l'instrument par lequel le péché agit. Le corps n'est pas mal en soi, mais il devient l'instrument du mal. Et cette loi de la nature humaine, ce principe du péché, refait surface, malheureusement, et à notre plus grande peine dans l'expérience chrétienne. Oui, nous sommes sauvés. Oui, nous sommes libres en Jésus. Oui, nous sommes esclaves de Jésus. Oui, nous avons la capacité de faire le bien. Hein, parce que peut-être que le péché reste encore incompréhensible en vous, mais il n'est pas indomptable. En tant que chrétien, nous avons la capacité de le surmonter, mais nous sommes coincés dans un déjà et pas encore. Nous avons déjà toutes ces choses-là, mais nous attendons encore le moment final de notre délivrance, de notre libération. Jésus, nous sommes coincés entre la, la mort de Jésus et la nôtre, entre la résurrection de Jésus et la nôtre. Et nous sommes dans cette tension-là, qui n'est pas une tension anthropologique ici, c'est une tension eschatologique. Les pieds entre deux airs, entre deux âges. Et je ne suis pas en train de dire que Satan est autant propriétaire de votre maison que Dieu l'est. Si, si ce matin tu es ici et tu as confié ta vie à Jésus, Dieu est le propriétaire de ta maison. C'est lui qui va déterminer tout ce qui s'en vient chez vous. C'est lui qui a ton destin, ta vie entre ses mains. Mais le problème, c'est qu'il y en a un qui vient cogner à la porte, puis il se prend pour un huissier, puis il fait comme s'il était fort, comme s'il était fort, puis il a la capacité de réclamer ta maison. Mais, mais comme Pasteur Simon l'a dit, c'est un, un lion qui, qui est dégriffé. Il n'y a plus aucun, c'est comme un petit chaton. Il peut plus rien faire. Il n'y a rien qui lui appartient à Satan. Mais il vient, puis il, il vient réclamer des choses chez vous, alors qu'en réalité, ce territoire-là ne lui appartient plus. La Paul le dit. Dans mon fort intérieur, j'aime et je prends plaisir à la loi de Dieu. Je suis esclave de Christ entre guillemets, c'est un peu ce qu'il dit. Mais il y a cet intrus fatiguant qui vient cogner à la porte, qui essaye encore de me demander la clé de chez moi. Il vient s'installer au sous-sol si je le laisse, puis si je le laisse faire, il va tout prendre ma maison. Si tu es chrétien, tu n'es plus esclave de cet intrus. Ta maison appartient à Jésus. Mais la réalité, oui, ça vaut la peine de fêter ça. Satan vient cogner à la porte comme un imposteur, non comme un père. Mais la réalité, c'est que, concrètement, dans l'expérience que nous vivons, il y a deux principes, deux lois qui agissent en même temps à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas deux forces égales. Là. Tu sais, des fois, on entend l'illustration, tu as, as, as la chair, puis tu as la, la nouvelle nature, puis là, dépendamment celle que tu nourris le plus, ça va grandir plus. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais l'apôtre Paul ne parle pas de deux forces égales, là. Dieu et Satan, puis ça dépend de quel côté tu vas aller. Non, non, ça, c'est du moralisme. La réalité, c'est que, Dieu est le maître de ta maison, mais parfois, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui remonte et même tu ne sais même pas d'où ça vient des fois, mais le problème c'est que des fois tu le choisis encore et cette chose-là, c'est le péché. C'est la guerre qui prend rage, qui fait rage à l'intérieur de toi. Dans mon intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien, dit l'apôtre Paul, qu'il y a un autre principe qui agit dans mon corps. Elle combat cette loi-là, la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Ce matin, je vais te faire un encouragement, je crois très biblique. N'arrête pas la guerre qui fait rage en toi. Si là, tu es ici ce matin, le te dis "Ah, oh, me semble là que ma vie ressemble à une espèce de tiraillement continuel et perpétuel. C'est comme un conflit toujours entre mes désirs renouvelés qui veulent aimer Jésus, qui veulent aimer les gens, mais le péché qui essaie de surgir en moi, entre mon désir de plaire à Dieu et cette attraction vers le monde." La Paul parle littéralement ici de deux forces ennemies qui se font bataille dans son âme. Et je pense que trop souvent, en tant que chrétien, on essaie de les réconcilier. Comment je peux vivre un petit peu dans le compromis tout en étant chrétien, puis oh, je vais compromettre un petit peu les choses de ce monde aussi parce qu'il faut que je démontre que je suis un chrétien. C'est comme tu essaies de, de les rendre amis. Non, ce sont deux forces complètement éloignées. Il n'y a rien de plus éloigné que ça Dieu et Satan, le, le, le monde et, et ces nouveaux désirs-là, cette nouvelle création que nous sommes en Jésus. Et la réalité, c'est qu'un chrétien ne devrait être jamais être si relax que ça au niveau spirituel. Il y en a là, tu es comme sur un bateau de croisière, là. mais la réalité, c'est que l'expérience chrétienne devrait être plus là, comme un, un champ de bataille. Je sais que c'est le fun, les bateaux de croisière, là. mais en tant que chrétien, nous sommes dans le déjà et, et pas encore, et cette, cette, cette tension-là exige de nous que nous soyons en lutte contre le mal. Et je dirais même, le fait que tu veuilles lutter contre ces... Ces pulsions, c'est cette méchanceté qui t'habite et peut-être le premier signe qu'il y a quelque chose d'autre de bon en toi, c est, c est, cette vie qui est en train de prendre place mais que tu ne vois peut-être pas tout le temps. Et je vais te donner un exemple très concret, ok Je ne sais pas si on est capable de zoomer là-dessus sur la caméra. Avez-vous une idée, c'est quoi Une chips au chouquel? Ceci est un ongle d'orteil. <laughs> Cet été, j'ai fait l'expérience gémissante de m'échapper une dalle de pavé uni sur le gros orteil. Et là, vous connaissez le processus. Hein? C'est de la douleur vive pendant les comme, 30 premières minutes. Mais après, ton orteil devient dégueulasse. Au début, il était mauve. Après, il était rouge. Puis là, faut que tu fasses sortir la pression d'une certaine façon. Je vous épargne les détails. C'était pas Jojo. Et là, ton orteil devient vert. Et, et, et pendant, je pense, trois, quatre mois, j'avais cet orteil-là sur le pied. Puis là, tu vas à la plage, puis tu as comme un orteil qui est, qui est vert. Là. Fait que tu essaies de marcher pas trop, euh, pas trop à découvert. Puis, à un moment donné, j'étais à ma femme, coudons, je pense que j'ai perdu mon ongle pour de bon. C'est fini. La, la, la mort remporté. l'a remporté. La, la, la souffrance a, a gagné. C'est fini. Je pense que j vois, j vois, j vois, mon ongle ne va jamais revivre comme il comme était. T'sais. Et la surprise a été telle que lorsque mon ongle est tombé, croyez-le ou pas, j'avais déjà un autre ongle à demi poussé, tout beau, tout blanc. Ta vieille vie ressemble à un vieux ongle d'orteil dégueulasse. Et des fois là, Je vous entends parler là, il va-tu le ranger son ongle d'orteil Peut-être que vous vous demandez pourquoi il est dans une boîte. C'est qu'à Noël, je voulais en faire un cadeau à mon beau-frère, mais il a refusé mon cadeau. <laughs> ma, soeur pasteur, euh, ma soeur est mariée avec Pasteur Simon. Hein. Ça, c'est juste un détail. <laughs> Des fois, tu te regardes et tu te dis, comment la vie peut émerger de ça c'est pas beau, c'est pas chic, c'est pas cute. Mais semble, ça, ça respire plus la mort. Je vais te faire une promesse, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Si tu as confié ta vie en Jésus, la vie de l'esprit de Dieu est en train de germer en toi et elle va se rendre à terme. N'arrête <applause> pas la guerre qui fait rage à ton âme parce que c'est le signe que cette vie-là. Et là, en germe à l'intérieur de toi. Ne rends pas les armes, ne lève pas le drapeau blanc contre le royaume de Satan, si on peut appeler ça un royaume. Le chapitre 7 en est un de sanctification. Il est coincé en deux, deux trois merveilleux chapitres qui parlent de comment l'Esprit-Saint nous rend capable de, de marcher triomphant dans ce monde. Mais la réalité, dit l'apôtre Paul, nous triomphons en Christ, mais nous sommes encore dans des contraintes charnelles qui nous collent à la peau. Ici, la Paul ne, ne soupire pas après une victoire. Dans certains passages, il le fait dans le Nouveau Testament, mais ici, il ne soupire pas après une victoire dans ces contraintes charnelles-là. Et c'est possible, Dieu merci, par la puissance du Saint Esprit. Soyez là la semaine prochaine, Romains 8, c'est ça le message. Mais il dit ici je soupire après cette délivrance des contraintes charnelles qui me collent à la peau. Je soupire après cet âge nouveau où le péché ne sera même plus un mot. Un encouragement pour toi, combat, combat avec les moyens simples mais puissants que Dieu te donne. Vous voyez, certaines personnes à qui je parle, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont coincés dans une forme de triomphalisme. On appelle ça en théologie une, une eschatologie surréalisée. C'est comme eux, sont, sont, sont déjà en train de flotter au ciel avec Christ. Sam, j'ai la victoire en Jésus, je, je suis libéré, je suis affranchi, je, je, je suis vraiment là, waouh, ma vie est incroyable. Puis là, tu apprends par en arrière que cette personne-là est en train de blesser toute sa famille, tout son entourage, puis à l'église, à midi, contre tout le monde. Pourquoi? Parce que cette personne-là a juste une partie de la vérité. Oui, tu es aimé de Dieu, oui, tu es affranchi, oui, tu es libre, oui, tu es pardonné. Mais dans ce monde, tu es encore pris avec le péché. Et c'est pourquoi tu as besoin de mener cette lutte-là qui implique introspection, qui implique confession, qui implique honnêteté, qui implique dire à ta femme de temps en temps, chérie, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Et ça fait mal, juste le dire, ça fait mal. Mais c'est chrétien. Chérie, qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui fait mal? Parce que je le sais, t es, t es certaines personnes sont tellement dans cette eschatologie surréalisée qu'au final, ils font, ils font du trouble partout autour d'eux. Et l'apôtre Jean a dû gérer ce genre de situation-là. Il va dire dans sa, dans sa première lettre, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés et allons à Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Romains 7 nous empêche de tomber dans ce piège-là. Je suis devenu chrétien, mais le péché agit encore parfois dans mon corps mortel. Je suis donc en position de guerre, de lutte, de combat contre mon propre péché. Je demande au Seigneur d'être encore plus conscient de ce qu'il est à l'intérieur de moi et je me repens de ce péché-là. Comment? Pas par en étant meilleur, mais en, lui, en allant directement porter ce péché-là à la croix et en voyant un sauveur merveilleux qui porte ce péché-là à ma place. Et ça, ça me donne la force pour lutter contre le péché. C.S. Lewis disait, Lorsqu'un homme devient meilleur, il comprend de plus en plus clairement que le mal subsiste en lui. Mais si un homme devient pire, il comprend de moins en moins sa propre perversité. J'aime aussi ce que Matthew Henry, un pasteur presbytérien, a dit, La religion chrétienne est la religion des pécheurs, de ceux qui ont péché et en qui le péché habite encore malheureusement dans une certaine mesure. La vie chrétienne en est une de repentance continue, d'humiliation et de mortification du péché, de gratitude et d'amour envers le Rédempteur et de l'attente joyeuse du jour glorieux de son retour où les croyants seront pleinement et définitivement purifiés du péché. Quel réalisme! Dans le miroir de la parole de Dieu, on voit notre cœur et ça nous fait du bien, ça nous réconforte, ça nous encourage. Ce n'est pas une excuse à pécher, non, ça devient une lunette à travers laquelle on peut voir notre propre cœur. N'arrête pas cette guerre, mais va aussi loin que l'apôtre Paul va, verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? N'arrête pas de te lamenter, n'arrête pas d'être frustré, n'arrête pas de, de gémir contre cette, cette tension qui fait rage dans ton propre cœur, dans ton propre corps. L'apôtre Paul ici ne soupire pas nécessairement après une délivrance de son corps, bien que ça, ça l'implique. Le problème n'est pas le matériel et le but de la vie chrétienne n'est pas de s'échapper du corps physique, mais il veut être libéré du corps qui est par définition lié au péché et à la mort. Délivré de l'âge de la domination du péché, délivré de la, la tension d'être suspendu en deux heures. C'est rare que vous allez entendre un, un, un prédicateur vous dire que c'est bon de chialer, mais je pense qu'il y a des saines et pieuses raisons de se plaindre, et ça, c'en est une. As-tu arrêté d'être frustré, de chialer un peu, de gémir, de désespérer un peu au fond de toi? Jacques en parle, Jacques 4.9, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil dans les larmes, que votre rire se change en deuil, étourdissez-vous pas trop dans les diversements, diversements de ce monde, que votre joie se change en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Gémis-tu un peu en dedans de toi Si oui, c'est bon signe. C'est signe que ce désir d'être délivré, l'apôtre Paul le dit lui-même, dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons, hein, avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Prends conscience de, du vieux toi, du vieux moi, ce moi qui est désorganisé, qui est double, qui est hypocrite, et gémis devant Dieu. Quand est-ce que ça va finir, cette guerre-là? Et cette, cette, cette bienheureuse humilité d'esprit que Jésus vend dans les béatitudes, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ne soit pas ce chrétien qui, qui, qui se croit tellement conquérant, qui est aveuglé sur sa propre perversité? L'espoir chrétien appartient à ceux qui ont commencé par désespérer beaucoup d'eux-mêmes. L'apôtre Paul termine en disant, Qui Hein, une question personnelle. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort Qui Moi-même Impossible. On connaît tous le fond de notre cœur. Tel influenceur, tel philosophe, tel bon parleur, mon prof de yoga, mon conseiller financier, ma blonde, mon chum, mon mari, ma femme, mon boss, mon pasteur. Puis tu ferais quoi pour moi, lui Mon athlète préféré, ma chanteuse préférée, mes enfants. Qui peut me délivrer de ça Verset 25, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, et il termine avec une conclusion sobre mais appropriée. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. N'arrête pas la guerre, n'arrête pas de gémir sur cette attente, mais n'arrête pas de te réjouir en Jésus qui a déjà gagné la victoire pour toi. Dans cette vie, Jésus va nous éloigner du péché. Et cette vie chrétienne consiste en, en bonne partie à lutter contre le péché. Mais attention, ce n'est pas le but ultime de la vie chrétienne. Le combat de la vie chrétienne n'est pas celui de s'éloigner du péché, mais bien de se rapprocher de Jésus qui nous fait s'éloigner du péché. Et un jour, lorsque ce monde aura été soumis complètement au règne de Christ, lorsqu'il y aura lieu le grand rétablissement de toutes choses, eh bien... Dieu lui-même éloignera le péché de ce monde et de ta propre vie, de ta propre conscience, de ton propre cœur. Ici-bas, je ressens encore les effets de ma chair. Je suis encore dans ma chair, mais je ne vis plus pour ma chair. Je vis pour Christ qui est mort pour mes péchés. Une petite différence. Et un jour, la guerre sera définitive. La guerre sera finie. Il n'y aura plus de guerre dans ton âme, en ta raison qui veut suivre Dieu et ton péché qui agit dans ton corps. L'espérance des chrétiens, c'est une résurrection complète dans laquelle la perfection nous est donnée. À lire et à relire ce passage-là, j'ai vraiment l'impression que l'apôtre Paul a en tête une délivrance finale à venir. Il n'est pas en tête juste une délivrance spontanée. Et oui, Dieu merci, nous allons gagner des batailles dans cette vie et chaque jour, nous en gagnons en tant que chrétiens, mais tu vas en perdre aussi. Mais un jour, il n'y aura tout simplement plus de bataille. La guerre va être finie. Est-ce que vous pouvez, avec moi, un instant, vous imaginer ça et, et frémir de joie dans votre cœur? Hé, hey, la, la, la masse de contradictions que nous sommes parfois en tant que chrétiens, ces luttes dans nos âmes. Seigneur, pourquoi? Oh, pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi j'ai encore dit ça? Cette lutte que nous avons à l'intérieur de nous. Là, Seigneur, je veux te suivre, mais coudons, qu'est-ce qui me colle à la peau? Pourquoi ça finit mal? Ces sueurs que nous, que nous mettons en place, c est, c est, cette lutte quotidienne, cette lourdeur que nous pouvons porter, même en tant que, que bons chrétiens, s'il existe des bons chrétiens, un jour, tout ce paradoxe que nous pouvons être sera terminé j'ai récemment écouté une série sur Netflix qui s'appelle All the Light We Cannot See qui prend lieu lors de la Deuxième Guerre mondiale sur l'île de Saint-Malo en France et c'est une super, une super bonne série puis finalement bon, les, les nazis sont battus par les américains et alors que j'étais là sur mon divan, j'ai vu cette scène-là de réjouissance en, au beau milieu de Saint-Malo, les gens qui étaient cachés dans les bunkers pour éviter les bombes tout d'un coup sortent et là c'est la festivité, les soldats américains sur les tanks puis les gros drapeaux blancs puis j'ai comme été pogné spirituellement de quelque chose hey un jour là la guerre qui fait rage dans mon âme, ça va être fini. Je vais me réjouir en Jésus. Je ne pourrai même plus expérimenter, c'est quoi le péché? Ça n'existera même plus dans mon fort intérieur. J'aurai tous les moyens à ma disposition pour adorer et louer Jésus et vivre une vie en conformité avec sa parole, avec ses exigences, avec sa loi. Et ce sera la vie pour moi. Ici-bas, si tu vas gagner des batailles, tu vas en perdre, mais là-haut, je t'annonce que la guerre sera terminée. Dans quelques instants, on va prendre la, la sainte sainte ensemble, le repas du Seigneur. J'aimerais vous lire un dernier passage qui, je crois, vient vraiment résumer et faire un reflet à ce que l'apôtre Paul essaie d'amener comme vérité dans le texte de Romains 7. C'est en 1 Corinthiens 15, les versets 54 à 58. Voici ce que la parole de Dieu dit Lorsque ce corps corruptible, il parle ici des chrétiens qui ont mis leur confiance en Jésus, aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qui est devenue ta victoire Ô mort, où est ton dard Où est ton aiguillon Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais Dieu soit loué, il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire à venir, mais quelqu'un pourrait poser la question, qu'est-ce que ça change dans le présent? Verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen.